vous inquiétez pas, on est les amis, au futur marié, on arrive, on répare la maison. Et il a dit, oui, bonjour monsieur. Et quand il a vu la suite, il a dit, par contre, à la fin, au revoir. Il a pas voulu ça à sa maison. Alors, comme je vous ai dit, on a mis la grande bâche parce qu'on voulait pas faire voir l'intérieur, ça sera le finish. Si on se prend pour l'état. Alors, ils font des belles cuisines, je sais pas comment ça s'appelle, hygiénale, ou je sais pas quoi, là, des trucs vachement rapides à monter, là. Ouais, voilà, vous connaissez. Il y a Ikea aussi, c'est pas vrai. Ah non, mais ça sert à rien parce que vous allez voir la suite, par là-bas, on verra plus non plus. Par contre, faudra me donner l'adresse, Emily, parce qu'on l'a mis en vente, la maison. Elle est sur le site internet. C'est vraiment plus, hein, rigolez pas. Alors ça, je reconnais, c'est mon David, toujours dans la maçonnerie, à fond dedans. Voilà. Que le chef des maçons. Voilà. Parce qu'il y a pas que deux qui se planquaient, c'est niveau-là. Alors tu vois, Guillaume, moi je suis tout là-haut, là. Ah, Guillaume, je suis là-haut, là, dans la pelle. Bon, Nicolas, bien haut, là. Voilà, c'est un gros plan. Oh, c'est juste pour remettre la vache. C'était le plus long du chantier, mais après, ça a été tout ça. Bon, ça, j'explique pas. On était en train de faire un petit revue avec des collègues, là. On s'amusait là-bas. Parce que j'ai demandé à un paysagiste, il m'a dit mets de la paille sur l'herbe, tu vas voir, ça lui donne du muscle, je sais plus quoi, là, ça ira bien. Par contre, qui vous a pas expliqué, Guillaume, parce qu'on avait réussi à prendre la clé de sa maison. Mais il s'en est aperçu, il a changé de barillet. Mais si tu ne te rappelles pas, vous voyez, dans la côté du rosier, il y a une petite fenêtre, un trou, là. Et puis là, on peut rentrer dans sa maison. Alors, il faut couper juste deux barreaux. Hein. C'est pas méchant, on a coupé les deux barreaux là. Et on peut rentrer là-dedans. Ça, ils ne savaient pas, mais nous, on le savait. Couper ma porte. Alors, ta porte, on n'a rien fait, mais tes barreaux, il faudra les ressouder. On est toujours. Ouais, on est toujours. On est que des gars de la campagne, on aime bien la forêt et tout ça. Par contre, on a semé aussi, Guillaume. On a semé en même temps. On l'a pas dit, mais on a semé. Tu demanderas à Nicolas comment c'est. Du colza, du blé, ça vient tout ça, ça va venir. C'est la suite, à l'extérieur, on s'en est occupé, ça y est, pas de soucis. Ah non, mais, ah oui, les entends, les salauds, les ordures, pardon, les enfants, mais faut pas dire vraiment ce qu'il a fait à nos maisons aussi, hein. Faut subir aussi. Quand on rentre le dimanche, deux jours, de fiesta, tu rentres le dimanche, ton lit est dans l'escalier, et puis tu regardes, les petites cuillères, j'ai retrouvé en septembre, les petites cuillères. Ouais. Parce que l'ouverture de la chasse est arrivée en septembre, dans la baisse de chasse. Ah tiens, une petite cuillère, c'est pas mal ça. Ah non, c'était pas tout seul, hein, d'un coup, hein, t'inquiète pas. Donc, on a remis un petit coup quand même. Donc toujours, David, Anthony, toujours en train de dérouler, là, il déroule. Ah ça, pour dérouler, il déroule. On en est où là, Émilie? On s'approche? Ouais, encore. Vous avez vu, il y a encore trois dossiers. Donc, bon, là, on fait des petites inscriptions quand même pour prévenir les voisins que c'est un mariage. Parce que c'était bizarre sur la route, ça traînait dur. Oh là là, vraiment circuler, pas de problème. Non, c'est bon. Il y avait des pompiers avec nous. Oh, c'est pas tout, on a écrit plein de choses. On a écrit, Nicolas a écrit tous les prénoms. En gros. C'est pour ça qu'on a mal au bras là. On est obligé de jeter des cailloux sur Nicolas parce qu'il voulait plus descendre. Il a dit je reste là-bas. Ah, parce que quand il est parti, tu peux plus l'arrêter non plus. C'est pas le dernier. On n'a jamais eu aussi chaud qu'en travaillant là, parce que on est où là, Mimi? Encore, ouais, encore celui-là, allez. Et on va se faire les deux petits derniers pour le finish. Bon, on découvre un petit peu tout, hein, parce que je dis bon. Là, c'est rien. Là, ce que vous voyez, là, c'est rien, parce qu'il y en a partout. Juste le coin, on a laissé. Guillaume se rassure, le petit coin là où il y a la tente pour manger lundi, on l'a laissé propre. Parce que je veux pas non plus ranger là où je mange.
Non, mais je vous dis, on a jeté des cailloux, hein, pour qu'ils descendent. Ils voulaient pas descendre. Il y en a une qui était... elle aimait bien les fesses à David. Elle est où, Laetitia? Ah, c'est pour moi, je parlais aux voisins, là, en même temps. C'est bon, en plus. Ouais, vous voyez, c'est chaud. Non, non, nickel. Non, 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 on avait tout bâché. Parce qu'au-dessus, on voit pas, mais on avait tout bâché, on avait pas d'eau. Donc, là, on est au bout, là. Il restait deux. On en fait voir qu'une. Puis l'autre. Et puis l'autre, on le garde pour la fin. Yes. Allez, le... Est-ce que vous voulez on en voir un petit bout encore? Un petit bout. Parce qu'il n'y a plus de bruit, plus de son, plus d'image. Allez, le petit dernier. Le dernier, c'est vraiment pour la fin. Par contre, tout est commandé, hein, pour les Ikea, tout machin, tout arrive, mais pas la semaine prochaine. Pas sûr. Mais... Alors les voisins, ils étaient là-bas, ils sont rentrés dans la maison parce qu'ils avaient peur. Par contre, t'avais un chien noir et blanc en fait. Bah, maintenant il est bleu et rose. Un truc comme ça. Et il est là-bas au coin le chien. Là il se met des carpettes là. Il est là. Mais il n'est plus de cette couleur là. Là il est là. Gaspard il était derrière. Là. Par contre, on va arrêter là. Tu vois, regarde, on t'a tout préparé pour l'hiver. Tu vois ton petit tas de bois que t'avais derrière? Il y avait les copains qui ont tout coupé en petites rondelles. On a recoupé des petits bouts. J'espère que ça va rentrer dans la cheminée, monsieur. On savait pas si c'était des morceaux de 50 ou des morceaux de 10. On savait pas. Donc, il y a des gros, des petits, hein, tu feras ce que tu veux. Comme c'est dit, la tente. Pour ceux qui savent pas encore, parce que moi j'invite tout le monde, c'est là qu'on mange lundi. Hein. Alors donc par là c'est propre. C'est là. Par contre c'est marqué. Hein. Pas propre. Mais la grosse surprise vient après. Ma pauvre poulette. J'en ai bavé, mais tu vas en baver. Voilà la suite tout à l'heure. Bravo! Oh non, bravo, bravo. Les maçons du cœur, levez-vous s'il vous plaît.